Bonjour, cette leçon porte sur le seuil de rentabilité et plus particulièrement sur l'analyse différentielle du compte de résultat. Alors, qu'appelle-t-on un seuil de rentabilité? Bien, le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité pour lequel l'entreprise va commencer à faire des bénéfices. Ce seuil de rentabilité va se mesurer en nombre de produits que l'entreprise doit vendre ou en niveau de chiffre d'affaires à réaliser. C'est un calcul particulièrement important pour les entreprises qui vont lancer de nouveaux produits sur le marché, que ce soit des biens ou des services, de manière à pouvoir savoir à partir de quel niveau d'activité cette commercialisation va être rentable. Pour pouvoir comprendre cette notion, nous allons partir d'une étude de cas qui est la suivante. Donc, nous allons imaginer qu'un parc de loisirs de la région Rhône-Alpes souhaite analyser la rentabilité de son exploitation. À cette fin, les différentes charges mensuelles engagées dans l'exploitation ont été observées pour différents niveaux d'activité. Pour notre exemple, le niveau d'activité sera mesuré par le nombre d'entrées vendues dans le parc au cours d'un mois donné. L'étude de ces charges fait apparaître les situations suivantes en euros. Donc vous avez l'ensemble des charges engagées par le parc de loisirs et quatre niveaux d'activité qui correspondent à 4 000, 5 000, 6 000 ou 8 000 entrées vendues au cours du mois. Donc vous avez le détail des charges et le coût total engagé pour chaque niveau d'activité. Alors déjà, simplement en observant ce tableau, on peut voir que certaines charges augmentent lorsque le nombre d'entrées augmente, alors que d'autres charges, au contraire, restent constantes. Cette distinction, ça va être la distinction entre ce qu'on va appeler des charges variables et des charges fixes. Donc ici, quelles seront nos charges variables? Bien évidemment, il y aura la nourriture, l'entretien et les services divers, dont la valeur augmente quand le nombre d'entrées augmente. De la même manière, les salaires. On peut en effet imaginer que l'entreprise fasse appel à des travailleurs saisonniers pour les périodes de forte activité, ce qui augmente la masse salariale distribuée. Et puis les autres charges sont également des charges variables. L'amortissement et les loyers, seront des charges fixes, puisque dans les deux cas, leur valeur reste constante, quel que soit le niveau d'activité, 20 000 euros pour les amortissements, 10 000 euros pour les loyers. Cette distinction entre charges variables et charges fixes sera particulièrement importante pour la suite, pour pouvoir calculer notre seuil de rentabilité. Ces remarques préliminaires étant faites, on peut passer à la première question qui nous est posée. Donc, représenter sur des graphiques l'évolution des charges variables totales et unitaires. Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons d'abord réaliser quelques calculs intermédiaires. Donc, nous allons commencer par calculer les charges variables totales pour chacun des quatre niveaux d'activité qui nous sont proposés. Le calcul est très simple. Il suffit d'ajouter les trois charges variables que nous avions repérées dans le tableau précédent. Donc, par exemple, pour 4 000 entrées, nous avions 16 000 euros de nourriture, entretien et services divers, plus 20 000 euros de salaire, plus 800 euros d'autres charges. Donc, ceci nous fait un total de 36 800. On fait un calcul similaire pour les autres niveaux d'activité. Donc, pour 5 000 entrées, on va obtenir 46 000 euros de charges variables, pour 6 000 entrées, 55 200 euros, et pour 8 000 entrées, 73 600. Les charges variables unitaires, elles correspondent aux charges variables engagées pour la commercialisation d'une entrée dans le parc. Donc, on les obtient très facilement en prenant les charges variables totales et en les divisant par le nombre d'entrées réalisé au cours du mois. Donc, dans notre première hypothèse, 36 800 divisé par 4 000 entrées, on obtient un coût variable unitaire de 9,20 €. De la même manière, deuxième hypothèse, 46 000 divisé par 5 000, on va obtenir le même chiffre et on peut vérifier que pour les deux hypothèses restantes, on obtiendra également 9,20 €. À partir de ces calculs, on peut réaliser les deux graphiques qui nous étaient demandés.
Premier graphique, il s'agit de représenter les charges variables totales. Donc j'ai représenté un graphique cartésien en faisant varier les abscisses de 0 jusqu'à 8000 entrées dans le parc. Et en ordonnée, je représente mes charges variables, donc en euros. Donc j'obtiens 4 points qui correspondent aux 4 calculs que j'avais faits précédemment. Donc par exemple, pour 4000 entrées, j'ai calculé que le parc dépensait 36 800 euros de charges variables et je place un point de la même manière pour les autres situations. Si mon graphique est bien fait, eh bien j'obtiens une droite qui passe par mes 4 points et cette droite passe également par 0. Alors je vais mettre ma droite en bleu puisque je représenterai dans la suite de l'exercice, mes charges variables dans cette couleur-là. Deuxième graphique, les charges variables unitaires. On a calculé dans notre petit tableau de calcul qu'elles s'élevaient à 9,20 € quel que soit le niveau d'activité. Donc je vais obtenir une droite très simple qui sera une droite horizontale puisque mes charges variables unitaires stagnent quand le niveau d'activité change. Donc, première série de conclusions qui seront très importantes pour la suite. Lorsque l'activité augmente, eh bien, qu'a-t-on observé? Dans le premier graphique, les charges variables totales augmentent proportionnellement, puisque j'avais une droite qui passait par l'ensemble de mes points et par 0. Et d'autre part, les charges variables unitaires elle stagne. D'accord, alors je vais mettre ça en bleu pour pouvoir me repérer dans la suite de mon exercice. De la même manière, nous allons représenter dans la deuxième question les charges fixes totales et unitaires sur deux graphiques. Donc, j'ai repris le tableau initial. Donc, mes charges fixes totales, eh bien, c'est très simple. C'est l'addition ici des amortissements et des loyers. Donc, nous allons obtenir 30 000 euros pour chacun de nos niveaux d'activité. Les charges fixes unitaires, eh bien, je vais les obtenir en prenant les charges fixes totales et en les divisant par le nombre d'entrées. Donc pour notre première hypothèse, 30 000 divisé par 4 000, j'obtiens des charges fixes unitaires de 7,50 €. Dans la deuxième hypothèse, 30 000 divisé par 5 000, j'obtiens 6 €, puis 5 € et enfin 3,75 €. Je peux représenter ces résultats sur deux graphiques. Le premier graphique va représenter les charges fixes totales. Alors, le graphique est très simple, puisque quel que soit le niveau d'activité, mes charges fixes sont à 30 000. Donc, je vais mettre ce graphique en rouge. Ce sera la couleur qui représentera mes charges fixes dans la suite de l'exercice. Et mes charges fixes unitaires, je les représente par 4 points. Alors cette fois-ci, j'ai commencé mon graphique à 4 000 ici en abscisse pour que ce soit plus clair. Donc pour chaque hypothèse, j'ai représenté les charges fixes unitaires calculées précédemment. Et je peux donc relier mes 4 points de cette manière-là.
on peut voir de manière relativement claire que les quatre points, cette fois-ci, ne forment pas une droite. Donc, conclusion que l'on peut tirer concernant donc ces charges fixes. Eh bien, lorsque l'activité augmente, les charges fixes totales stagnent. En effet, on ne va pas dépenser plus de loyer, hein, si l'on vend plus ou moins de tickets d'entrée. Et les charges fixes unitaires, elles, diminuent de manière non proportionnelle, puisque je n'obtiens pas une droite sur mon graphique. Alors, ce principe porte un nom, c'est ce qu'on appelle le principe des économies d'échelle. Plus l'on fabrique, plus l'on vend, plus le coût unitaire va diminuer. Mais cette diminution n'est pas proportionnelle. Bien. Voilà déjà quelques conclusions importantes pour la suite de notre exercice. Alors, nous allons continuer notre exercice en faisant quelques calculs complémentaires. Donc, on repart toujours du même tableau. Donc, troisième question, sachant que chaque ticket est vendu 15 euros, calculez le résultat réalisé pour chaque niveau de chiffre d'affaires. Vous passerez par l'étape intermédiaire qui consiste à calculer la marge sur coût variable. Bon, et ensuite, nous calculerons dans la quatrième question le taux de marge sur coût variable et nous en donnerons la signification. Alors, dans cette troisième question, nous avons besoin de calculer le résultat, donc le bénéfice ou la perte réalisé pour les quatre niveaux d'activité. Donc, je vais réaliser ce calcul dans un tableau. Mon résultat, c'est tout simplement la soustraction entre mes ventes et mes charges. Mes ventes, c'est le chiffre d'affaires, et mes charges, bien, ce sont les charges variables et les charges fixes que je vais soustraire l'une après l'autre. Lorsque j'aurai soustrait mes charges variables au chiffre d'affaires, j'obtiendrai la fameuse marge sur coût variable qui m'était demandée dans la question. Et ensuite, donc, j'obtiendrai le résultat en lui soustrayant les charges fixes. Donc, pour la première hypothèse, donc je vends 4000 tickets à un prix de 15 euros. Donc, 4000 fois 15, cela me donne un chiffre d'affaires de 60 000. Pour la deuxième hypothèse, 5000 fois 15, j'obtiens 75 000. Ensuite, 90 000. Et dans la dernière hypothèse, mon chiffre d'affaires s'élève à 120 000. Mes charges variables. Bien, les charges variables, je les ai calculées tout à l'heure pour les représenter ici sur mes premiers graphiques. Donc il me suffit de reprendre 36 800, 46 000, 55 200 et 73 600. Donc je les reporte tout simplement. Je peux ensuite donc faire la soustraction chiffre d'affaires moins coût variable. Et j'obtiens la marge sur coût variable. 60 000 moins 36 800, cela me donne 23 200. Je fais la même chose dans les hypothèses suivantes. J'obtiens 29 000, 34 800 et 46 400. Je retranche ensuite mon coût fixe, qui, dans tous les cas, on l'a vu tout à l'heure, s'élevait à 30 000 euros. Et donc, marge sur coût variable moins coût fixe me donne le résultat. Donc, dans la première hypothèse, j'obtiens moins 6 800. Dans la deuxième hypothèse, moins 1 000. Dans la troisième hypothèse, plus 4 800. Et dans la dernière hypothèse, j'obtiens plus 16 400.
Donc déjà, par ce simple calcul, je vois que c'est entre 5 000 et 6 000 tickets vendus que je vais commencer à faire des bénéfices. Donc mon seuil de rentabilité sera compris dans cette fourchette de 5 000 à 6 000 tickets vendus. C'est une première information. Dans la quatrième question, on me demande de calculer le taux de marge sur coût variable et d'en donner la signification. Alors, mon taux de marge sur coût variable va se calculer en prenant la marge sur coût variable et en la divisant par le chiffre d'affaires. Première hypothèse, 23 000 divisé par 60 000. Alors, j'obtiens 0,3867. Bon, je le multiplie par 100 pour pouvoir l'exprimer en pourcentage. Cela me donne 38,67%. Dans la deuxième hypothèse, 29 000 divisé par 75 000, j'obtiens 38,67%. Et on peut vérifier que par des calculs similaires, on obtiendra le même chiffre dans les autres hypothèses. Que signifie ce chiffre? Bien, il signifie que quel que soit le niveau d'activité, la marge sur coût variable représente 38,67% de notre chiffre d'affaires. C'est un élément que l'on aura l'occasion de réutiliser dans les questions suivantes. Donc, nous avons obtenu un premier encadrement de notre seuil de rentabilité entre 5 000 et 6 000 tickets vendus. Bien, nous allons essayer d'obtenir une valeur un petit peu plus précise pour ce seuil de rentabilité dans la cinquième question. On nous demande cette fois-ci de représenter graphiquement l'évolution du coût fixe et de la marge sur coût variable lorsque l'activité varie et d'en déduire la valeur du seuil de rentabilité. Donc, j'ai repris le tableau de la question précédente et je l'ai traduit par un graphique. Alors, j'ai toujours le nombre d'entrées dans le parc en abscisse. Et en ordonnée, je vais représenter deux éléments. Le coût fixe, d'une part, 30 000 euros, c'est une droite que l'on a déjà eu l'occasion de tracer dans une question précédente, donc une droite horizontale. Et une deuxième droite qui va représenter la marge sur coût variable. Alors, pour tracer cette droite, j'ai en fait placé quatre points qui correspondent aux quatre valeurs calculées dans mon tableau. Donc, par exemple, pour 4 000 entrées, j'avais calculé donc une marge sur coût variable de 23 200 euros. Pour 5 000 entrées, elle atteignait une valeur de 29 000 euros, bon, etc. En l'occurrence, je me rends compte, après avoir placé ces quatre points, qu'ils sont alignés et donc je trace la droite correspondante qui passe par 0. Pour d'autres applications, il suffirait, pour être rapide, de placer simplement un seul point et de relier ce point au point origine pour avoir le tracé de la marge sur coût variable. À l'intersection de mes deux droites, j'ai placé un point. En l'occurrence, c'est ce point, lorsqu'on va le prolonger sur l'axe des abscisses, qui va nous donner la valeur du seuil de rentabilité. Pourquoi ce point? Eh bien, à ce point, le coût fixe est égal à la marge sur coût variable. Or, quand le coût fixe est égal à la marge sur coût variable, le résultat est nul, puisque le résultat est égal à la marge sur coût variable moins le coût fixe. Donc, si le résultat est nul, c'est bien la définition de mon seuil de rentabilité. Lorsque je vais dépasser ce résultat, je commencerai donc à faire des bénéfices. Donc j'obtiens, et cela confirme la première fourchette
calculé dans la question précédente, j'obtiens un seuil de rentabilité compris entre 5 000 et 6 000 euros. Graphiquement, bien, la zone qui se situe avant mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire ici, correspond à une zone de perte. En effet, mon coût fixe est supérieur à ma marge sur coût variable. Donc, lorsque je vais faire marge sur coût variable moins coût fixe, j'obtiendrai un résultat négatif. Je peux d'ailleurs retrouver mes 6 800 euros de perte calculés dans la première hypothèse sur mon graphique en prolongeant ici dans mon hypothèse de 4 000 euros. Et en fait, cette zone-là, entre 23 200 et 30 000 euros, représente ma perte. Inversement, si je me place de l'autre côté de mon graphique, c'est-à-dire ici, eh bien là, je suis dans une zone de bénéfice. En effet, ma marge sur coût variable est supérieure au coût fixe. Donc, marge sur coût variable moins coût fixe est positif, et je peux retrouver d'ailleurs la valeur de mon bénéfice, par exemple ici pour 8 000 tickets vendus, entre 30 000 et 46 400 euros. J'ai bien 16 400 euros de bénéfice. Donc, la résolution graphique me permet de trouver une valeur du seuil de rentabilité plus juste que la première fourchette que j'avais trouvée dans la question précédente. Bon, bien évidemment, cette résolution graphique ne suffit pas. Il va falloir appliquer une formule qui va nous donner donc une valeur beaucoup plus juste du seuil de rentabilité, et c'est ce que nous allons faire dans la question suivante, où l'on nous demande donc de retrouver la valeur du seuil de rentabilité par le calcul. Il existe en fait deux formules. La première formule est celle-ci. Le seuil de rentabilité en euros est égal au chiffre d'affaires multiplié par le coût fixe ou par les charges fixes totales divisé par la marge sur coût variable. Cette formule est applicable quel que soit le niveau d'activité. Donc je vais par exemple l'appliquer pour le niveau d'activité le plus élevé, c'est-à-dire 8 000 tickets vendus au cours du mois. Donc, dans cette hypothèse, mon chiffre d'affaires était égal à 120 000 euros. Mes charges fixes totales, dans tous les cas, elles s'élèvent à 30 000. Et la marge sur coût variable, je l'ai calculé ici dans mon tableau, c'est 46 400 euros. Je fais ce calcul sur la calculatrice et j'obtiens 77 586,21 euros. Que signifie ce chiffre? Il signifie que l'entreprise doit vendre pour 77 586,21 euros de tickets pour commencer à faire des bénéfices. Nous pouvons très facilement transformer ce chiffre d'affaires en nombre de tickets vendus. Pour cela, bien, il suffit de diviser ce chiffre par le prix d'un ticket, en l'occurrence 15 euros, et l'on obtient 5 172,41 tickets, alors que l'on va arrondir parce qu'on ne va pas vendre des moitiés de tickets, et donc pour être rentable, il faudra en fait en vendre 5 173. Voilà la valeur de mon seuil de rentabilité, soit en chiffre d'affaires en euros, soit en nombre de tickets vendus.
De cette première formule, on peut en déduire une deuxième. En l'occurrence, on peut constater que dans la première formule, chiffre d'affaires divisé par marge sur coût variable, c'est l'inverse du taux de marge sur coût variable. En l'occurrence, c'est donc 1 sur taux de marge sur coût variable. Donc en remplaçant, on obtient la deuxième formule qui nous dit que le seuil de rentabilité en euros est égal aux charges fixes totales divisé par le taux de marge sur coût variable. Je peux l'appliquer dans mon cas. Les charges fixes totales, c'était donc 30 000. Et mon taux de marge sur coût variable, c'était 38,67%. Donc je vais diviser par 0,3867. Alors si je fais le calcul, j'obtiens un chiffre qui est légèrement différent. Bon, et je vais quand même reporter 77 586,21 euros. Pourquoi le chiffre est légèrement différent? Tout simplement parce que mon 38,67% était arrondi. Hein, en fait, la vraie valeur, c'est 38,66666. Donc en gardant la vraie valeur en mémoire dans votre calculatrice, vous obtenez bien évidemment le même chiffre que celui que l'on obtenait avec la première formule. Donc en redivisant par 15, on obtient évidemment 5173 tickets. Nous continuons notre exercice. Et nous allons nous placer cette fois-ci dans l'hypothèse de la haute saison. Donc 8 000 entrées mensuelles vendues dans le parc. On nous demande dans cette septième question de calculer le nombre de jours nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité, donc les 5173 tickets que nous avions calculés précédemment. Et donc nous allons supposer que le parc est ouvert pendant 30 jours dans le mois et que les ventes de tickets sont régulièrement réparties sur le mois. Alors le calcul est très simple. Nous allons commencer par calculer le nombre d'entrées moyennes réalisées chaque jour. Et pour l'obtenir, eh bien, nous allons diviser le nombre de tickets vendus dans le mois par le nombre de jours d'ouverture, en l'occurrence 30 jours. Et donc, on arrive à un résultat de 266,67 tickets vendus en moyenne par jour. Nous allons ensuite en déduire très facilement le nombre de jours pour atteindre le seuil de rentabilité. Eh bien, nous voulons vendre 5173 tickets, c'était notre seuil de rentabilité, à un rythme de 266,67 tickets par jour. Donc, il nous faudra un peu plus de 19 jours, en l'occurrence 19,40 jours, alors que nous allons arrondir en fait systématiquement au-dessus, et donc il nous faudra 20 jours dans le mois pour commencer à être rentable. Ce nombre de jours, c'est ce que l'on appelle le point mort. Dernière question. Alors, c'est une question très courante en entreprise. Nous allons nous demander quel est le niveau d'activité à atteindre pour réaliser un certain bénéfice. Hein, donc, nous fixons ici, dans notre question, un objectif de bénéfice de 10 000 euros et l'on va rechercher combien de tickets doivent être vendus pour atteindre ce bénéfice. Alors, la simple lecture de notre tableau nous permet déjà d'imaginer très facilement qu'il va falloir vendre entre 6 000 et 8 000 tickets. En effet, pour 6 000 tickets vendus, nous réalisions un bénéfice de 4 800 euros et pour 8 000 tickets, on passait à un bénéfice de 16 400. Donc notre bénéfice de 10 000 est entre ces deux valeurs. Bien évidemment, cette fourchette ne suffit pas, nous allons calculer un nombre de tickets exact. Les données
de l'exercice sont les suivantes. Nous nous fixons un résultat de 10 000 euros. Nous connaissons notre taux de marge sur coût variable qui est égal à 0,3867. Celui-ci reste le même quel que soit le niveau de l'activité, nous l'avions vu précédemment. Et notre coût fixe total, lui, est de 30 000. Il reste le même, lui aussi, quel que soit le niveau d'activité. Alors, de ces chiffres, que pouvons-nous en déduire? Eh bien, en remontant notre tableau, nous allons pouvoir calculer la marge sur coût variable. En effet, la marge sur coût variable est égale au résultat plus le coût fixe. C'est-à-dire ici, 10 000 plus 30 000. Ce qui nous fait donc 40 000. Or, là, que savons-nous? Nous savons que notre taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Donc ceci reste valable pour notre nouveau niveau d'activité. Donc 0,3867, la marge sur coût variable, est égale à la marge sur coût variable que nous venons de calculer, divisé par le chiffre d'affaires correspondant. On en déduit très facilement le niveau du chiffre d'affaires, qui est donc égal à 40 000 divisé par 0,3867, et l'on obtient 103 439 euros. Donc, à ce niveau de chiffre d'affaires, nous réalisons un bénéfice de 10 000 euros. Si on souhaite connaître le nombre de tickets correspondants, le calcul est simple. Il suffit de reprendre le chiffre d'affaires que nous venons de calculer et de le diviser tout simplement par le prix d'un ticket qui était de 15 euros. On obtient un résultat de 6895,95 tickets, alors que nous allons bien évidemment arrondir à l'unité supérieure, puisqu'on ne vend pas des moitiés de tickets, et donc il nous faudra vendre 6896 tickets pour réaliser le bénéfice de 10 000 euros attendu. Voilà les notions importantes à connaître sur le seuil de rentabilité. C'est donc un calcul, je le répète, qui est fait lorsque l'entreprise entend commercialiser un nouveau produit. Et donc en comparant les résultats obtenus grâce à ces calculs avec par exemple une étude de marché, elle pourra savoir si le marché est capable d'absorber le nombre de produits minimum qui lui permettra d'être rentable.